Reviens là, petite succube. Elle me l'a mordu. Préparez-vous, nous repartons 5000 ans dans le passé, dans la ville de Kuta, en Mésopotamie. Là-bas se trouve un temple dédié à un dieu terrible, Nergal. D'abord dieu du soleil, il devint ensuite le dieu de la guerre, des épidémies, de tout ce qui n'est pas très joli en ce bas monde. Nergal serait le fils du dieu Enlil, roi des dieux, divinité liée au vent, et de Ninlil, appelée aussi la dame du vent. Il a quelques ressemblances avec son frère, Ninurta, dieu de la guerre, ainsi que de l'autre divinité sumérienne de la guerre, Zababa. Son nom signifie « Seigneur des Enfers ». Je vous laisse donc deviner sur quoi il règne. Même si à la base, ce n'était pas lui qui régnait sur les Enfers, mais Ereshkigal. Son nom correspondait à sa destinée. On retrouve une histoire, le mythe de Nergal et Ereshkigal, qui nous parle de son ascension au titre de « Seigneur des Enfers ». Et vous allez voir, c'est marrant. Lors d'un banquet célébré dans les cieux par les dieux, Ereshkigal, la déesse des enfers, étant bloquée dans son royaume, ne put y assister. Les dieux autorisèrent son prêtre messager, Namtar, à venir lui chercher quelques sucreries. Quand il arriva, les dieux posèrent un genou à terre en signe de respect envers celle qui dirige le royaume des morts. Tous, sauf Nergal. Ce qui énerva fortement Ereshkigal, qui ordonna à son messager de lui ramener Nergal pour qu'elle puisse le tuer. À partir de là, on a plusieurs versions. Nergal se rendit en enfer accompagné de 7 paires de démons pour qu'il puisse l'aider à franchir les 7 portes de l'enfer ainsi que leurs gardiens. Il arrive ensuite devant la seigneur des enfers, la saisit par les cheveux et la fit tomber de son trône. Alors qu'il allait lui trancher la tête, Ereshkigal le supplia de l'épouser. « Tu seras le maître et je serai la maîtresse » dit-elle. Nergal fondit en larmes, la consola et l'embrassa. Dans une autre version, Enki demande à Nergal d'aller s'excuser auprès d'elle. Et il lui donne un siège en bois sur lequel il devra s'asseoir pour pouvoir remonter, sinon il sera bloqué en enfer. Il le mit en garde également. Là-bas, il devra ni boire, ni manger, mais surtout, ne pas se laisser séduire par la déesse. Sauf qu'une fois en enfer, il la découvre, prenant son bain, quel petit voyeur, et ne put résister à ses charmes. Et on peut dire que ce sont des chauds lapins, parce qu'ils firent l'amour pendant 7 jours et 7 nuits sans s'arrêter. Lorsqu'il partit, la reine des enfers, furieuse, menaça les cieux de déverser tous les maux sur la terre. Nergal se cacha un temps sous l'aspect de l'idiot du village, puis redescendit, seul cette fois, assomma chacun des gardes, et comme dans l'autre version, il se rua sur la reine des enfers, l'attrape par les cheveux et la fait tomber du trône. Et encore une fois, prêt à lui trancher la tête. Mais celle-ci demanda de ne pas le faire et de l'épouser. Ils firent ensuite l'amour une nouvelle fois pendant 7 jours et 7 nuits. Morale de l'histoire, sois insolent avec une reine et frappe-la. Elle tombera amoureuse, te fera l'amour et t'épousera. Non, je déconne, faites pas ça! Nergal devint donc, comme son nom l'indique, le seigneur des enfers qui préside sur les morts. Il est adoré dans de nombreuses villes en Mésopotamie, dans des temples qui portent le nom d'Emaslam en sumérien, qui veut dire maison, guerrier des enfers, ainsi qu'en Syrie, Ea et Lam. Nergal devint ensuite quelqu'un de moins violent, et même de tendre, avec sa femme. Mais il passa un peu trop de temps au lit, fatigué par le manque de sommeil, à force de copuler, et commença à se faire oublier peu à peu. Sauf que sur Terre, les hommes continuaient à se multiplier, à engloutir toutes les ressources que la Terre pouvait fournir, à vivre dans l'excès. Un peu comme maintenant, quoi. Les Sibiti, démons inférieurs sous les ordres de Nergal, poussèrent leur maître à sortir de sa torpeur pour retourner faire couler le sang des humains. Il poussa son cri de guerre. Ce cri terrifia tout le monde, homme comme dieu. Alors qu'il prévoyait d'aller remettre un peu d'ordre sur Terre, d'équilibrer la balance, il se dit qu'un dieu pourrait venir contrecarrer ses plans, Marduk, le protecteur de la cité. Alors Nergal lui tendit un piège. Il fallait lui faire quitter son siège pour qu'il retourne dans la cité des dieux. Il essaya de le persuader une première fois, prétextant le fait de pouvoir redorer sa statue, mais celui-ci refusa, car la dernière fois, cela a déclenché un déluge.
Nergal le rassure, lui promet de maintenir l'équilibre entre la terre et les cieux, qu'il empêchera les démons de sortir des enfers et qu'il fera prospérer la cité. Marduk accepta et tomba alors dans son piège. Au début, tout va bien, il maintient l'ordre. Mais une fois que l'attention des dieux s'est relâchée... C'est la guerre! On massacre! On profane les temples! On persuade les hommes de s'entretuer et même de s'entre-dévorer! Le sang coule à flot, Nergal, tout content, retourne en enfer. On peut assimiler Nergal à plusieurs divinités grecques. Comme il est associé à la planète Mars et qu'il est dieu de la guerre, on peut l'assimiler à Arès. Mais on peut aussi l'assimiler à Hadès, qui règne en enfer avec Perséphone. D'ailleurs, dans la ville d'Atra, en Mésopotamie du Nord, il est représenté avec un chien que l'on peut assimiler à Cerbère. Il a ensuite été démonisé par les chrétiens, devenant un démon de second ordre. Chef de la police du Ténébreux Empire, premier espion de Belzébuth, et sous la surveillance du grand justicier Lucifer. Il a sous ses ordres un démon du nom d'Ascaroth, et pas Astaroth, qui protège les espions et les délateurs. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine.